C'est la plus grande église romane qui demeure dans le monde. Les chanoines promeuvent un projet absolument phénoménal, une église de 110 mètres de long, 64 mètres de large au transept. C'est une des 10 plus grandes églises de l'Occident médiéval. La relique au Moyen-Âge, c'est ce que l'Occident a de plus précieux. Donc on conserve à Saint-Sernin 200 corps saints, dont les corps de 6 apôtres au complet, sur 12, dont Saint-Jacques de Compostelle d'ailleurs. Conserver autant de reliques à Saint-Sernin, c'était évidemment de l'ordre de la performance majeure. Lorsqu'on construit une église, à ce moment-là, l'église raconte la foi. Le but, c'est véritablement que cet édifice soit au cœur de Toulouse, comme le signe de la présence de Dieu dans nos vies.